sur Disney XD. L'empereur a senti qu'une nouvelle menace se dressait contre lui. L'on raconte, ça et là, que leur chef serait un Jedi. D'où est-ce qu'il sort, lui ? Mais ce ne sont pas ses talents au combat qui me posent problème. Ce qui me pose problème, c'est ce qu'il représente, de l'espoir. Et quand l'espoir brille encore ? Alors ce n'est pas terminé. Oh non, loin de là, Ezra. Il faut se redresser et faire front. Rejoins la lutte. Parce qu'on est toujours plus fort. Quand on est unis. Même si la guerre semble perdue d'avance. Vous allez traquer ce nouvel ennemi. Oui, Seigneur Vador. Un Jedi ne perd jamais la foi. Je n'ai pas peur de vous. Vous ignorez jusqu'où il faut aller pour gagner la guerre. Mais moi, je le sais. Retrouve ta série Star Wars Rebels cet été sur Disney XD. Dans un monde de chaos et de confusion, frères et sœurs sauvent la situation. Yin Yang Yo! 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 C'était elle! Yin, spécialiste de la magie, déchoue les mauvais sans le rayon d'énergie. Yang se bat avec Chi Hua. Je coupe, je démolis! Bla bla bla! Ils ont tout appris de Maître Yo, un pieu pour la crache pas rigolo. Dans un monde de chaos et de confusion, frères et sœurs sauvent la situation. Yin Yang Yo! 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 Quand force et magie sont réunies, le plan des méchants est anéanti. Gaal! J'arrive, maman! Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Les morts vivants contre-attaquent! Montre-toi et viens te battre! Me battre avec moi? Je vais directement te pulvériser! Je suis Arnott! Un robot broyeur de niveau 12! Avec toute une série de gadgets super chouettos! Des gadgets super chouettos? Dis-moi un peu quel genre de méchant emploie le terme gadgets super chouettos! Aucun! Yang a tout inventé! Yin! Chut! Il n'y a pas de chut! On est des guerriers, nous aussi! Sans blague! J'ai terrassé un dragon à quatre têtes avec un seul doigt, qu'est-ce que vous en dites? Et moi j'ai délivré une princesse en escaladant une tour de 100 mètres de haut. Et vous, qu'est-ce que vous avez vaincu? Un misérable cafard, un hamster en peluche, un élan écervelé? Oh, excellent! Un hamster en peluche! Bravo! T'es fier de toi, Yin? On mérite le respect! On ne devrait pas mentir pour gagner leur estime! Je préfère mentir plutôt que passer pour un nul! Oh! Je suis la fée Sornette qui pourfend les mensonges! Les mensonges? Je n'en dis jamais! T'en es sûre? Mon repas? Le chien l'a mangé! C'est vrai? Tu l'as pas fait tomber par terre? Évidemment que j'ai 16 ans! Oh là là, c'est vrai que je mens souvent! Et je m'y prends très mal! Quoi qu'il en soit, nul ne peut mentir à la fée des mensonges. La fée des mensonges? Oui, lorsque les petits enfants racontent de vilains petits mensonges, la fée Sornette apparaît pour les remettre sur le droit chemin. Oh, t'es un peu comme la fée Carabosse, mais en plus stupide. Moi, stupide? Je vais te montrer si je suis stupide, une fois que j'aurai donné vie à tous tes affreux mensonges. Je suis vivant! Lâche-moi ou je t'arrache les poils du nez et j'en fais un paillasson pour mon château de la mort cybergalactique. Oula! Vous périrez tous dans le feu de ma vengeance! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête de mentir pour voir si ça fait taire ton joujou? Non! Tu as cassé un de mes gadgets super chouettos! Moi j'ai une meilleure idée! Zarnott va vous attaquer. Nom d'une gorgone! Ces satanés guerriers du Houfou disaient bien la vérité! Je crois qu'ils méritent tout notre respect! Et le mieux dans tout ça, ce n'est pas vraiment un mensonge! Écoute, moi non plus je n'ai pas envie d'être la risée générale, mais tu es sûr de ce que tu fais? En guise d'excuse, on vous offre un jeu vidéo pour le garçon et pour la fille, un relookage de Star!
Arrête immédiatement, tu entends? Ça suffit! Je suis vivant désormais! Je suis un robot libre! Dis, tu connaîtrais pas un moyen de lui clouer le bec à ce polichinelle? Non, non, pas ça! Pas le coffre à jouets! Alors, les enfants, avez-vous cessé de répandre mensonges et autres inventions? Non! Regardez les affiches! Zarnot va vous attaquer? Vous avez osé vous servir de ma magie pour proférer encore plus de mensonges? Si Maître Yo désapprouvait ce qu'on fait, il nous l'aurait déjà fait savoir. Si vous voulez bien nous excuser. Ah, oh, vous l'aurez voulu! À chaque mensonge que vous direz, Zarnot grandira. Et seule la vérité pourra l'arrêter. Ah, alors c'est qui la créature stupide? Oh, ce n'est pas toi, je te trouve particulièrement intelligente. Et très jolie en plus. Hé, hey, doucement! Prêt pour l'opération? Yin et Yang sont des super-héros? Non, c'est Yang et Yin! C'est moi qui écris, donc je décide. Message à tout le monde de Zarnot, l'ennemi juré de Yin et Yang. Objet, je vais venir vous anéantir tous en tant que vous êtes! Au revoir! Vous avez reçu une menace. Explique-moi ce qu'on fait au milieu d'un champ de blé. T'as encore des choses à apprendre sur l'art de terrifier une ville tout entière. Rien de tel que des traces de pieds de géants dans un champ. Des traces de pas, tu veux dire? Ouais, bon bah peu importe. Yang et Rome. Incinération. Ah, des traces de pieds de géants, Zarnot est passé par ici. On dit des traces de pas. Et si vous tenez à le savoir, Zarnot est toujours là. Zarnot. Ça a marché, notre réputation est sauve. Pas de panique, citoyen, nous sommes là. Tout à fait, vous n'avez rien à craindre. Yin et moi avons vaincu des millions d'adversaires, tous plus puissants les uns que les autres. Des monstres dotés d'une telle force qu'ils auraient pu réduire la planète en poussière. C'est génial. Oui. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ça répond à ta question? Ah, bien joué, Zarnot. J'espère que ça porte bonheur. Je commence à en avoir les circuits de tous vos ignobles mensonges. Il nous faudrait un coffre à jouer plus grand. Vous m'avez donné vite puis jeté comme une chaussette sale au fond d'un coffre. C'est ma faute. Vous m'avez prêté de polychinelle alors que je suis une figurine de combat interspatiale. Attends pour moi. Et maintenant, vous allez vous en repentir. Arrêtez-le! Pas de soucis, on l'a vaincu par le passé, on le vaincra encore. Youhou, bouclier, woufou! Métamorphose! Qu'est-ce que... Oh, non! Hey, beau travail, les petits guerriers! Ça vous épate, hein? Je pensais qu'il avait retenu sa leçon, étant donné qu'on l'a vaincu de cette manière la dernière fois. Et aussi l'avant-dernière fois. Yang! Minute. Et l'avant-avant-dernière fois! Yang! Arrête! Oui, on discute entre adultes. Oui, et aussi la fois d'avant. Je me sens un peu rikiki. Hey, les grands guerriers, aidez-nous! Surtout toi, tu es venu à bout d'un dragon à quatre têtes avec un seul doigt! J'ai menti, je ne suis pas guerrier, mais prof de maths! La seule chose dont je peux venir à bout, ce sont les équations! Je n'ai pas sauvé la princesse! C'est elle qui m'a sauvé! Poupounette, cours! Vas-y, mets le turbo, cours! Alors, tu as d'autres mensonges à confesser, mademoiselle, j'ai 16 ans! Je n'ai pas 16 ans! Tu as vu, il a rétréci. Oui, quand j'ai dit la vérité. Comme le prof de maths et son ami le lâche. Dorénavant, il faut dire la vérité.
vérité. Oui, oui. Mais la population nous prend pour des héros, elle nous acclame. Nos mensonges marchent très bien. Écoutez-moi tous, en réalité Zarnot n'est pas notre ennemi. On a tout inventé histoire d'en mettre plein la vue. C'est nous qui avons fait les traces de pieds de géant dans le champ de blé. On dit des traces de pas. Peu importe. Et on a imprimé les affiches. Et c'est moi qui ai dit à Maître Yo que Yang avait peur du noir. C'est pour ça qu'il a eu une licorne lumineuse pour s'endormir pendant 6 mois. Tu as fait quoi? Dis-le! Avoue la vérité n'importe laquelle! Et puis zut! Cet imbécile de fée avait raison! Mentir ne fait qu'attirer des ennuis! Alors, les enfants, vous avez compris? Mentir ne mène nulle part si ce n'est à votre perte! Et n'oubliez jamais que seule la vérité vous délivrera! Et c'est vous qui nous avez envoyé ce monstre gigantesque? Eh bien, ça dépend, mais pourquoi cette question? Qui va reconstruire mon magasin maintenant? Oui, et ma maison alors? Je suis navrée, mais je crois que vous vous adressez à la mauvaise fée. C'est fou, elle ment encore plus mal que toi. En vérité, je suis la fée du logis, vous comprenez? Mensonge! Ce n'est que partie remise, je reviendrai pour me venger. J'en ai décidé ainsi. À ton avis, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Très franchement, pas grand-chose.